Bien donc, on est dans le champ de tournesol associé à de la luzerne qui est là. Bon, ça c'est une mauvaise herbe. Mais voilà, je viens contrôler que le peuplement de luzerne est suffisant. J'étais un petit peu inquiet parce qu'il y a des endroits où j'en voyais pas beaucoup. Et il s'avère que il y a encore des levées qui s'effectuent alors que ça fait plusieurs semaines, peut-être 4-5 semaines que c'est semé. J'ai semé les deux cultures en même temps. Et j'ai encore des levées de luzerne, donc c'est satisfaisant. Le peuplement commence à être intéressant. Il y en a à peu près partout. Bon, ici, il y a des levées de tournesol qui sont mal effectuées, mais bon, il y a quelques trous, c'est pas très très grave. Il y a encore des mauvaises herbes, genre du vulpin, donc ça c'est pas cool par contre. Mais voilà, la luzerne, ici, est en bonne santé. Le tournesol aussi. Il y a les chaleurs qui sont revenues, donc... il pousse à fond. Il pousse. Et puis, ma foi, bah, globalement, sur cette pièce de 11 hectares, je suis satisfait. On a une belle pièce qui prend forme. C'était pas gagné. Il y avait des limaces, des lièvres et des pigeons dans cette parcelle. Donc, les limaces ont pu attaquer la luzerne et puis le tournesol aussi. Voilà, je suis content. Et il y a des pieds qui lèvent à nouveau. Bon, ça, c'est pas bien vieux. Mais il y en a qui lèvent que récemment. Vous voyez, tout ça, c'est petit, c'est pas vieux ça. Donc, j'ai eu peur de devoir ressemer. Des trous qui sont formés, des trous de luzerne à certains endroits. Donc je ne vais sûrement pas avoir à le faire à l'automne. Je pense que mon implantation est réussie.